Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une nouvelle analyse d'une nouvelle action bancaire. La banque Chavi, la BCP. Donc, on va voir, on va essayer de l'analyser rapidement. Déjà, la tendance de fond. La tendance de fond, elle est haussière. Comme on a fait, on a dit, il y a là, sur une hausse, bien sûr, que tu as dit, tu as dit, tu as dit, les corrections d'y un autre niveau où il y a là. Donc, c'est une action de très long terme où l'I est très, très, très chargé par Nestil Smithum. Il est très chargé par ce qu'on appelle les institutionnels, mais ceux qui ont fait des splits, l'action, de toute façon, quel que soit, ça prend, ça continue sur une tendance haussière. De façon correcte. Tiens, au fait le cas, notre courbe de tendance long terme, je tiens à le support à chaque fois qu'on a à chaque fois qu'on a ce n'est pas la peine de chercher le canal, bien sûr, avec le Covid, on a China le tête. China a niveau mieux que d'autres séries, on a annoncé le mouvement aussi jadid. Donc, c'était un mouvement moyen terme, c'est-à-dire court terme, parce que ça dépend de la situation du Waqa, lié à le Covid. Bien sûr, on a cassé à la baisse et en force avec la courbe de tendance, on devrait gagner au mouvement haussier, tout simplement. Bien sûr, les moyens mobiles, mais on a le boucher, on a le signal d'achat, les moyens mobiles. Toutefois, le RSI, il est limite sur la zone d'équilibre de l'eau. Il a un peu de chartisme, il est. Donc, il y avait une petite résistance là qu'on a cassée. Fait char là, fait char plutôt. Char 11, où ça a donné le bon mouvement aussi. Les deux derniers mois, fait le mois l'akhar qui n'a pas suivi la correction. Le MACD, lui, qui a tâté le retournement au char 11, char 11 par contre, désolé, où il continue d'être radié dans le sens positif. Toutefois, qu'il met les cas, ma charada, qu'il chute la baisse. Qu'il chute la baisse, ouais, c'est simple. T'adoustiam, dit le Covid, le résultat dit le Covid, c'est clair, comme a dit Jikunzvin. Enfin, il y a une anticipation, dit que la correction des radiateurs. Si on la regarde, il peut se faire à ce niveau-là, si on la juge par le Hajj Fibonacci. Maximum, on peut espérer au maximum 219, bien que je pense pas. Je pense déjà que ça chauffe 247, 236. Donc, ça peut aller jusqu'à le niveau à maximum, à mon avis. Bien sûr, tu peux stagner encore, sachant que Tahdrahta Bizarre veut mettre 12. Mais bien sûr, sur le long terme, elle devrait revenir. Elle devrait revenir au-delà de la courbe de tendance. C'est-à-dire que, il faut considérer, ça c'est une action pour du long terme. En weekly, c'est la même chose qui s'annonce sur le weekly. On a une sorte de une nouvelle tendance au CRNA, sur le weekly. Lima, elle est vraiment, on peut dire qu'elle n'a pas été corrigée carrément. Il y a la couleur en bleu. Il n'a pas été corrigé. Jusqu'à présent, donc, qui ont plus ou moins, à mon avis. Donc, à mon avis, il a cassé les moyens mobiles. RSI les acheteurs, MACD qui attaque un signal de retournement possible. C'est clair, tu as une deuxième semaine dans le rouge, enfin, bien sûr, on va c'est l'histogramme de Kim. C'est-à-dire, on prépare la baisse doucement. Les grandes mains court terme, ça dit particulier de ça. Donc, imagine là, la même chose, il faut attendre 1000 ou 3000.
ميتين وتلاتة وتلاتين لا انا فين اونكور بلوس ان تقدر تاخذها من تحت لهنا مي مون افي سيتي با هذاك حتى اون ديفيرجونس بي سي ار باينه هنايا ما بين هاد لي دو توب اللي كاينين ما بين هذا وهذا دونك دو اون بيتيت ديفيرجونس بي سي ار او نيفو ديال الار اس اي سي نورمال كيف ما قلنا افيك لابروش ديال سميتو ديال لانونس دي ريزولتا ان نو بو كو اتر نيجاتيف لي فوليوم اللي كاينين سي دي فوليوم نقدر نقولوا ابيتوال ما كاينش شي حاجه خارجه عن العاده ماشي قليل بزاف وماشي كتير زعما سي موان جوست ان بو بلو فابل كو سكو داكشي اللي كان من قبل دونك باش ناخذ ان بيتيت ايدي على لي فوليوم. Alors, au niveau journalier, ben, effectivement, c'est une baisse déjà bien définie. Au niveau journalier, c'est une baisse qui est commencée déjà. Là, on a une sorte d'indécision chaque jour. Quand tu vas faire le niveau, tu fais fort, ou tu te tètes, fort, ou tu te tètes, excepté la journée d'aujourd'hui. Le chien, le MACD, il y a la radio qui est و عندك حتى ال ار اي سي راه نزل تحت ديجا تحت لا زون دو ليكيليبر ديالو مونافي كيف ما قلنا سي لور دون بيس جوسكا كل نيفو مونافي فو لاتوندر ديجا بعد هنا فو لاتوندر في 245 ولا شي حاجه بحال هكا 245 سي ان تري غون سيبور فو لاتوندر هنايا هو الاول ici تك جو لي ريغلي شويه باش يجي انا جام ريغل من عبد الله 245 نشوفوا لا رياكسيون هنا عاد نقدر نقولوا راه كاين انكور اون بيس بلو بروفوند مي بروبابلومون اون فونكسيون دي ريزولتا زعما الا كانت شي حاجه كاتاستروفيك ديال بصح وما كاينش لي ديفيدوند هذا العام ما يعولش انسان على لا ديفيدوند لو ديفيدوند ف سي سور كو غادي يكون عندنا شي حاجه اسي سولي اسي C'est grave. Il est que nous les résultats dans les environs de moins 20, moins 15%, ça on les attend déjà. On attend un moins 20 mégachertz. Quel moins 5, ça peut continuer comme ça dans un sens horizontal, mais toutefois, la tendance de fond, il n'est pas remise en question. La tendance court-termiste, c'est le moment d'une sorte de smithon, de correction avant de continuer à la hausse. Mais rien d'alarmant. Pour les court-termistes, oui. D'abord, il y a la correction. Quand tu as un niveau supérieur, il y a un niveau meilleur. Tout simplement. Car les indications qui voulent croire que tu es sur le point bas, mon ami. Il faut faire attention. Ouais, tu es sur le point d'inflexion. Mais si tu es avec le point d'inflexion lui-même, mais Magnus surtout a de la. C'est même pas une vraie divergence, mais bon, c'est un signal qu'on a déchiré avec une annulation de l'histogramme. Donc, ça, c'est ce que je peux vous dire sur la PCP. Ou bien, on a la journée bancaire avec deux actions. La PCP, je vous invite à la voir aussi. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.